وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Serviteurs d'Allah, mes frères, mes sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'essayer de comprendre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, de lire des parties du Coran et d'en expliquer les sens généraux et citer quelques sagesses et quelques règles liées à ces versets en essayant de ne pas trop s'étaler. Le début de Surat al-Baqarah, il est partagé. On va dire les deux premières pages, elles sont partagées entre les versets qui parlent des croyants, des caractéristiques des croyants pieux, puis les caractéristiques des mécréants, puis un long passage sur le munafiqin, sur les hypocrites. Nous avons commencé la fois dernière à expliquer le passage sur le munafiqin, et nous allons continuer au verset où nous en sommes arrêtés. A'udhu billahi minash shaitani rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم
بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Donc, nous avons déjà parlé que le nifaq, il y a le nifaq l'i'tiqadi ou le nifaq l'amali. L'hypocrisie qui est liée à la croyance et au dogme et l'hypocrisie qui est dans les actes. Ou bien l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. On a déjà expliqué ça dans le dernier cours. L'hypocrisie qui est liée à la croyance, c'est la personne qui cache la mécréance et qui montre la foi. Celui-là, c'est un mécréant. Même s'il montre la foi, ils sont dans le degré le plus bas de l'enfer. Et l'hypocrisie dans les actes, ce sont des actes, ce sont des caractéristiques des hypocrites que certains croyants faibles dans la foi peuvent avoir. Mais qui ne les rendent pas mécréants en faisant ces actes-là. Mais ce sont des actes d'hypocrites. Quand ils donnent une promesse, ils ne la respectent pas. Quand ils parlent, ils mentent. Quand ils se disputent, ils dépassent toutes les limites. Et quand on lui donne un dépôt ou un secret, il le trahit. Donc ça, ce sont des actes d'hypocrisie et d'autres encore. Mais qui ne rendent pas la personne mécréante en faisant un de ces actes ou même tous ces actes tant qu'il ne cache pas la mécréance et qu'il ne montre pas la croyance. Donc Allah Ta'ala parle ici des hypocrites, la grande hypocrisie. Ceux qui sont des kuffars mais qui montrent la foi. Il faut savoir, barakallahu fikum, que Ahl Sunnah, ils utilisent les versets révélés pour les hypocrites, la grande hypocrisie, et ils en tirent des règles et les mettent en pratique sur les innovateurs. Car les innovateurs, ils sont comme les hypocrites. Ils montrent le bien et ils cachent le mal. Même si, selon l'innovation, certains d'entre eux ne sont pas mécréants. Parmi les innovateurs, ce ne sont pas toutes les innovations qui rendent mécréants. Il y a beaucoup d'innovations qui ne rendent pas la personne mécréante. Mais malgré cela, ils ressemblent aux munafiqin, al-nifaq al-akbar, dans le sens qu'ils détruisent l'islam de l'intérieur. Comme les munafiqin, ils se cachent dans les rangs des croyants pour détruire l'islam de l'intérieur, de même les mubtadi'a, les innovateurs, ils se cachent dans les rangs des musulmans et ils détruisent l'islam de l'intérieur. Donc les savants souvent utilisent les versets liés aux munafiqin et les pratiques sur al-mubtadi'a. Car il faut savoir qu'il y a une règle dans le Coran, certains savants utilisent les versets pour le shirk akbar et le mettent en pratique sur le shirk asrar. De même ici c'est pareil. Al-bid'a en réalité c'est du nifaq asrar. Ça ressemble aux œuvres des munafiqin. Non. Alors Allah Ta'ala en les décrivant dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Et quand on leur dit ne faites pas la corruption sur terre, dans le sens des versets, ils diront nous ne sommes que des gens qui cherchons la réforme. Donc les munafiqoun, en plus du mal qu'ils sont mécréants, et en plus du mal qu'ils font le mal, et qu'ils font le péché, et qu'ils font la désobéissance, en plus de ça là, ils croient que cela est un bien. Ils ne reconnaissent pas le mal qu'ils font. Mais ils considèrent que cela est un bien. Et ils disent, nous sommes que des réformateurs. On fait que le bien. Sous-entendu, les croyants, ce sont eux les corrupteurs. Donc dans cette affirmation, quand ils disent, nous sommes que des réformateurs, il y a plusieurs mots, plusieurs méfaits. Le premier méfait, c'est qu'ils ne reconnaissent même pas le mal qu'ils font. Donc, ils sont plus loin du repentir. La personne qui ne sait pas qu'il est dans le péché,
Quand est-ce qu'il va avoir le désir de se repentir? Quand est-ce qu'il va regretter? Pour lui, ce qu'il fait, c'est un bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui combattent l'islam. Pour eux, c'est une hasana. C'est du bien. Il est en train de combattre un mal. Il est en train de faire sortir un virus. Si tu lui dis, tu fais du mal, il dit, mais non, je chasse le virus. Ce qui fait du mal à la société. Il se convainc lui-même qu'il fait un bien. N'est-ce pas? Ceux-là, ils sont plus loin du repentir que la personne qui fait un mal, mais qui sait que ce qu'il fait, ce n'est pas acceptable. Donc le premier mal, c'est dans cela. Deuxième mal, donc ça, deuxième chose, ça les éloigne encore plus du repentir. Troisième chose, c'est qu'en cela, il y a une insulte envers les croyants. Dans le sens, si nous, nous sommes les correcteurs, si nous, nous sommes les réformateurs, donc ceux qui sont à l'opposé de nous, ce sont qui? Les corrupteurs, les mauvais. Et subhanallah, cette sifa, cette caractéristique, nous la retrouvons aussi chez le mubtadi'a, chez les innovateurs. Tu lui dis, ya akhi, taqillah, ce que tu ramènes, ce n'est pas légiférant en islam, c'est contradictoire à la religion. Il dit, innama nahnu muslihun, on n'est que des réformateurs. C'est vous les arriérés, vous n'avez pas une idée moderne des choses, vous n'êtes pas ouvert, vous ne comprenez rien, c'est vous les corrupteurs. N'est-ce pas? C'est la même parole. C'est la même parole que qui? Que le munafiqin. Aussi, en cela, il y a une mise en garde pour les croyants qui ont la foi faible et qui font des péchés. Quelle est cette mise en garde? La mise en garde de ne pas se justifier, de ne pas justifier le péché dans lequel ils sont. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils font un mal ou quand ils ont des manquements dans la religion, comme ils n'arrivent pas à dormir tranquille, leur conscience les rappelle que ce qu'ils font c'est mauvais, alors il va chercher un avis religieux ou une fatwa ou quelqu'un qui va le réconforter dans son égarement et dans son erreur. Il va dire, subhanallah, regarde, il y a divergence. Il y en a qui disent que ce que je fais c'est bien. Il y en a qui disent que ce que je fais ce n'est pas mauvais. Et il va essayer de s'en convaincre jusqu'au moment où il va voir que celui qui s'accroche à la sunna, il est mauvais, et lui qui a des manquements et des délaissements, il est bon. Il va même être capable de te dire ce que je fais, c'est le plus grand des djihad. Je travaille pour l'islam, alors qu'il est dans le haram, et ce qu'il fait est le moyen et l'objectif est haram. Donc, ittaqullah, si tu es faible, ô serviteur d'Allah. S'il t'arrive de faire des péchés, et comme nous tous, on est tous manquants, on fait tous des erreurs et des péchés. Mais s'il t'arrive d'avoir des erreurs sur lesquelles tu es constant, ne cherche pas à légiférer ton erreur. À te tranquilliser dans cette erreur. Ne cherche pas des paroles ou des avis qui vont dans le sens de tes passions. Mais sache que tu es pécheur et manquant envers Allah. Et demande à Allah de t'aider à faire un repentir sincère. Et de délaisser ce haram. Et prends les causes, légiférer de délaisser cette chose-là. Ceci est pire, la personne qui essaye de se donner bonne conscience en n'avouant pas son erreur, plutôt que la personne qui fait le péché. Mais il reconnaît et il demande à Allah de l'aider à se repentir. Cette manière-là peut aller très loin. Si c'est sur des choses clairement connues, haram, ou clairement connues obligatoires, ça peut devenir de la mécréance. Par exemple, une personne... elle est éprouvée par les enivrants. Tout musulman sait que les enivrants sont haram en islam. Quel musulman ne sait pas cela? Même les koufaris le savent. Mais tellement elle est éprouvée, il vient te dire, oui, non, il dit, dans l'islam, c'est pas interdit. Ça, c'est grave. Là, elle vient de rendre halal ce que Allah, il avait rendu haram. Si cette personne est ignorante, on lui enseigne. On lui dit, taqillah, comment ça? Regarde, Allah dit ça dans le Coran. Si malgré ça, il persiste à dire non, ce n'est pas interdit, alors celui-là, ce n'est plus seulement un péché qu'il fait, mais il est tombé, bel et bien tombé, dans la mécréance, car il a fait l'istihlal. Il a rendu halal ce qu'Allah a rendu haram. Et en faisant cela, il a traité Allah de menteur. Et il a traité son messager de menteur. Donc, quand on leur dit arrêtez de faire la corruption sur terre, quelle corruption ils font? Ils font la corruption avec le kufr, avec la mécréance. C'est la plus grande des corruptions. Ils font la corruption avec leurs actes. Avec leurs péchés. Ils font la corruption dans le fait qu'ils empêchent les gens d'arriver au chemin du bien. Ils sont un barrage entre les gens et le bien.
Tout cela, c'est de la corruption. Tu leur dis arrête. Ils te disent innama nahnu muslihun. Nous sommes que des réformateurs. Et Allah Ta'ala confirme, il dit ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. N'est-ce pas que ce sont bien eux les corrupteurs, mais ils n'en ont pas conscience. Et aussi, Allah Ta'ala affirme que ce sont eux les mufsidoun, les corrupteurs. Pourquoi ? Quelle est la cause que la terre elle soit corrompue ? Les péchés. Les péchés, ils corrompent les actes, les mœurs, la société. Ils corrompent même les plantes. Ils corrompent même la mer. Ils corrompent la terre, l'agriculture, toutes choses, même les animaux. Allah Ta'ala dit, la corruption et le mal est apparu sur les terres et sur les mers à cause de ce que les gens ont acquis avec leurs propres mains. Même là, aujourd'hui, la pollution, c'est une corruption de polluer, de rendre impur tout ce qui est pur et de ça gêne la vie des gens. Ça, c'est à cause aussi de quoi ? À cause des péchés des gens, à cause des gens qui ne respectent pas la charia, qui dépassent les limites dans leur manière de vivre, dans leur manière de consommer, dans leur manière de tout faire. Donc Allah Ta'ala les châtie par leurs propres actes. Et ils corrompent la société par leurs mœurs. Et ils corrompent leurs personnes. Et ils corrompent tout. Et ils ont même corrompu l'eau. Et ils ont corrompu l'air. Et ils ont corrompu la terre. Ils n'ont rien laissé sans le corrompre. Ils méritent cette caractéristique. Ce sont bien eux les corrupteurs. Voilà qu'ils l'achètent. Mais ils n'en ont pas conscience. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Et quand on leur dit, croyez, comme les gens ont cru. Ici, qui sont les gens qui sont cités ? Comme il est venu parmi les tafsirs des salafs, cela veut dire, quand on leur dit, ayez la même croyance que les sahabas. Croyez comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont cru. Croyez de la même foi. Ayez la même compréhension de la foi. La même définition de la foi. Une croyance des paroles et des actes. Et non pas juste des paroles et votre cœur il est contradictoire comme les hypocrites. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur poitrine, dans leur cœur. Donc quand on leur dit « Aminu, croyez, kama amana an-nas » comme les gens ont cru. « An-nas » ici, c'est « As-sahaba » radiyallahu anhum. Ici, il y a une réponse à toutes les sectes qui sont venues avec des croyances innovées. الأشاعرة المعتزلة الجبرية القدرية الصوفية الشيعة الرافضة. Tous ceux-là qui sont venus avec des croyances innovées. On va leur dire, vos croyances sur Allah, vos croyances sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vos croyances sur les califs, sur l'imam, sur je ne sais quoi, toutes vos croyances. Est-ce que c'était la croyance des sahaba? Est-ce que c'est ce que les sahaba avaient? Non. Et Allah, il t'a ordonné de croire comme ont cru les sahaba. Quand on leur dit, croyez comme ont cru les gens, les sahaba. Quelle était la croyance des sahaba sur Allah? Sur ses qualités, sur ses attributs? Ils croyaient qu'Allah, il est dans le ciel établi sur son trône. Au-dessus du ciel. Pas dans le ciel, dans les nuages. Hein? Fis sama, c'est-à-dire dans le hulou. Au-dessus du ciel établi sur son trône. Ils croyaient, comme Allah a dit dans le Coran, qu'Allah s'est établi sur son trône. Et qu'Allah, il n'est pas mélangé avec sa créature partout. Mais il est partout avec sa science et sa puissance, non pas avec son essence. Car Allah Ta'ala est établi sur son trône, subhanahu wa ta'ala, كما يليق بجلاله, comme il convient à sa personne, subhanahu wa ta'ala. Et etc. Toutes les croyances, les mauvaises croyances qu'ils ont sur Allah, sur le destin, les mauvaises croyances qu'ils ont sur les actes des gens, les mauvaises croyances qu'ils ont sur les sahaba, sur les imams, sur les califs. On va revoir, on revient à la croyance de qui? Des sahaba, la croyance des salaf. Et d'où on dit « الخيرُ كُلُّ الْخَيْرِ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ وَالشَّرُ كُلُّ الشَّرِ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ ». Donc, quand on leur dit à ces gens-là « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ » croyez comme les gens ont cru. « قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا » est-ce qu'on va croire comme les faibles d'esprit ont cru? Ça veut dire qu'ils ont traité les sahaba de faibles d'esprit, d'idiots. Parce que pour eux, le fait d'accepter le message, le fait d'accepter l'islam, le fait de se plier aux ordres d'Allah, le fait de ne pas lui donner d'associés, le fait de voir qu'on suit les ordres et qu'on délaisse les interdits,
Vous êtes des imbéciles, vous êtes des idiots. Vous n'avez pas de raison. Parce que pour eux, ce que la raison exige, c'est que tu sois mécréant, que tu rejettes la foi. Alors qu'en réalité, ce sont eux, soufaha, comme Allah Ta'ala dit, n'est-ce pas que ce sont eux les faibles d'esprit, mais ils ne savent pas. Car l'intelligent, le doué de raison, c'est celui qui fait les choix qui lui sont profitables dans cette vie et dans la vie après la mort, n'est-ce pas ? Quel est le meilleur choix que de se plier à la volonté d'Allah et d'obéir à ses ordres et d'être un bon serviteur pour pouvoir avoir le bonheur et la réussite en cette vie et dans la vie après la mort ? Alors que ce sont eux en réalité qui sont les faibles d'esprit. Malgré l'intelligence qu'ils peuvent faire paraître, ils peuvent avoir aujourd'hui les plus hauts doctorats et les plus grands diplômes et diriger des sociétés ou des pays ou des gouvernements, ils sont faibles d'esprit. Car ils n'ont pas fait les choix qui sont dans leur intérêt. Au contraire, ils ont fait le choix du kufr, de la mécréance, qui est un mal pour eux dans cette vie et dans la vie après la mort. Non. Allah tabaraka wa ta'ala dit après cela, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Quand ils rencontrent les croyants, ils disent, nous sommes croyants. C'est ça le cas d'un hypocrite. C'est-à-dire qu'il montre une chose qui est contraire à la réalité. Mais quand ils reviennent et ils s'isolent avec leurs shayatines, leurs dirigeants, car les shayatines, ils peuvent être parmi les hommes et les djinns. Et shaytan, cela vient de l'origine en arabe de ce qui est loin, éloigné, très loin. Donc shaytan, c'est celui qui est loin dans l'égarement et éloigné de la miséricorde d'Allah. Shaytan, celui qui est loin dans le, qui pousse loin le mal et qui pousse loin l'égarement et il est éloigné de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc les shayatines, il y en a parmi les hommes et les djinns et leur tête, leur chef est Iblis parmi les djinns. Mais il y a des shayatines hommes. Donc quand ceux-là reviennent et sont seuls, isolés avec leur shayatines, avec leur tête, ils disent Inna ma'akum, inna ma nahnu mustahzi'un. On est avec vous, on ne fait que se moquer d'eux. On se moque bien d'eux. On est en train de montrer la foi, on se moque bien d'eux. On préserve en cela, on se moque de leurs prières, on se moque de leurs actes. On préserve en cela nos biens et nos personnes. Et on vient vous ramener leurs secrets. Allah Ta'ala a dit en parlant d'eux. قال إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله se moque d'eux. فجزاء السيئة سيئة مثلها جزاء بما عملوا. En récompense de ce qu'ils ont fait, ils se sont moqués. Allah se moque d'eux. Comment Allah Ta'ala se moque d'eux? Allah Ta'ala, comme ils ont trompé et voulu tromper les gens, Allah les récompense comme ils le méritent. Innama al-jaza'u min jinsi al-amal. La récompense est de la même sorte que l'acte qui a été fait. Comme ils ont voulu tromper les croyants et ils ont voulu montrer la foi, et ils ont cru qu'ils se moquaient de tout le monde en faisant cela. Alors, Allah Ta'ala les trompe aussi, en les laissant dans cette vie-là faire cela. Mais quand la mort vient les chercher, le châtiment commence pour eux. Aussi, quand ils vont être devant le pont Sirat, et qu'ils vont croire que ça y est, ils ont réussi à échapper au châtiment du jugement dernier, et à aller en enfer, et ils vont croire qu'ils sont avec les croyants, ils vont voir une lumière devant eux. Allah Ta'ala va leur enlever leur lumière. Et ils vont être dans l'obscurité totale. Et ils ne pourront pas passer le pont Sirat et ils tomberont en enfer. Ça, c'est encore pire. Quand tu te fais des faux espoirs que tu as réussi à tromper tout le monde, et ton espoir monte et monte et monte, jusqu'à ce que tu crois que ça y est, tu as réussi, et au dernier moment, en fait, tu es dévoilé. Au dernier moment, tu es dévoilé.
نعم. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Et il les prolonge et il les laisse dans leur transgression aveuglés, perdus, car c'est ce qu'ils méritent. Quand ils ont choisi l'égarement, Allah leur a rajouté de l'égarement. Comme celui qui choisit la guidée, Allah lui rajoute de la guidée. Ce n'est pas par injustice, mais au contraire, c'est la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas Allah qui les a forcés à choisir l'égarement. Ils l'ont choisi de leur plein gré. Allah les a laissés et les a prolongés et donné encore plus d'égarement. Non. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Puis Allah Ta'ala dit en parlant de ces gens-là, voilà ceux qui ont vendu ou bien qui ont acheté l'égarement contre la guidée. Voilà ceux qui ont vendu ou qui ont acheté l'égarement en échange de la guidée. Alors leur commerce n'a pas été fructueux, n'a pas gagné, et ils n'ont pas été bien guidés. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala donne l'exemple de la guidée et de l'égarement comme un objet de vente. Si une personne, elle n'accepterait pas d'échanger un dirham contre un dinar, ou on va dire plutôt aujourd'hui, un centime d'euro contre un euro. Est-ce qu'il accepterait d'échanger un centime d'euro contre un diamant? Ou bien un diamant plutôt. Un diamant contre un centime d'euro. Est-ce que tu accepterais de donner 100 euros pour que la personne te donne un centime d'euro? Non. A fortiori, tu n'accepteras pas de donner un diamant contre un centime d'euro. Alors comment acceptes-tu de donner la guidée en échange de l'égarement? Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont troqué la guidée contre l'égarement. Alors Allah Ta'ala, en parlant de leur troc et de leur vente, il a dit « فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ » Leur commerce n'est pas un bon commerce, n'est pas fructueux. « وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ » Et ils n'ont pas été bien guidés dans leur choix, mais au contraire, ils ont fait le plus mauvais des choix et ils ont été parmi les égarés. Et quel égarement? Un égarement qui va les plonger au plus bas degré de l'enfer. Puis Allah tabaraka wa ta'ala donne l'exemple de ces gens-là. Quel est leur exemple? Il a dit مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Il a dit leur exemple ou leur cas. Il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu. Puis quand le feu a illuminé tout ce qu'il y a aux alentours, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres. Ainsi, ils ne voient plus rien. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir sur le droit chemin. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala a donné l'exemple. Ils sont comme quelqu'un qui a allumé un feu. C'est quoi ce feu? C'est la flamme de la foi qu'ils croient, qu'ils ont emprunté aux croyants, qu'ils ne l'ont pas. Il s'illumine avec la flamme de la foi des croyants, c'est-à-dire qu'ils préservent leurs biens et qu'ils préservent leur personne en faisant apparaître qu'ils sont croyants. Quand ils sont bien heureux, comme une personne bien heureuse d'avoir une flamme en plein milieu de la nuit obscure, dans l'obscurité totale, il est bien content de voir le danger qui l'entoure et avec le feu il voit bien, mais d'un coup la lumière elle part.
Dans quelle détresse est cette personne? Alors eux, c'est pareil. Ils ont maintenant, pour l'instant, ils sont comme l'exemple de cette personne qui a allumé un feu au milieu de la nuit. D'un coup, la lumière, elle est partie. D'un coup, la lumière, elle est partie. Et ils sont abandonnés dans leurs ténèbres, les ténèbres de leur péché, les ténèbres de leur mécréance. Et ils ne voient rien. Summun bukmun umyun. Summun, ils sont sourds. C'est-à-dire que leurs oreilles ne profitent pas à l'entente du rappel et du Coran. Bukmun, ils sont muets. Ils ne disent pas le bien, ou bien, certains mufassirines disent, ils ne disent pas la vérité de ce qu'il y a dans leur cœur. Ils mentent. Donc le fait qu'ils soient menteurs, ils sont comparés à des muets. Car ils disent le contraire de la vérité. Umyun, aveugle. Ils ne voient pas les signes du Coran. Ils ne voient pas les rappels qui leur viennent maintes et maintes fois. Fahum la yarji'un. Allah a dit, alors ils ne reviendront pas au droit chemin et à la guidée. Donc ça, c'est le premier exemple. Allah Ta'ala a donné l'exemple des munafiqin, comme cette personne en plein milieu de la nuit, qui croit profiter de la lumière du feu qu'il a, mais à la fin, la lumière, elle part, il se retrouve dans les dangers, et la chaleur du feu, elle reste, c'est le feu de l'enfer. C'est-à-dire, il meurt, et tous les châtiments commencent, et le vrai feu, il va les toucher, mais dans l'obscurité, dans les ténèbres. Puis Allah Ta'ala a donné un autre exemple. C'est-à-dire, ou ils sont comme ça, ou bien si tu veux, je te donne un autre exemple. Il ressemble aussi à أَوْكَ صَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. Ou bien, comme une averse, tombant du ciel accompagnée de ténèbres, de tonnerres et d'éclairs. Ils se mettent les doigts dans les oreilles à cause de la terreur de la foudre et par crainte de la mort, et Allah encercle de tous côtés les infidèles. Donc, l'exemple d'une personne qui est dans la nuit noire, dans une pluie ténébreuse, dans l'obscurité. Et l'exemple ici du tonnerre, l'exemple du tonnerre, c'est l'exemple des injonctions du Coran. Quand le Coran leur interdit des choses, quand le Coran leur ordonne de faire des choses, pour eux c'est comme un tonnerre, ils ne supportent pas cela, ils s'en bouchent les oreilles, ils ne supportent pas les ordres du Coran, ils ne supportent pas les interdits du Coran, ils préfèrent se boucher les oreilles, car ça leur fait mal dans leur intérieur. Et la foudre, comme les Mufassirun ont dit, puis Allah Ta'ala dit, l'éclair est presque sur le point d'emporter leur vue. À chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a le pouvoir sur toute chose. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a dit ici que quand cette lumière du Coran, qui est cet éclair qui est la lumière du Coran, elle est prête à leur enlever la vue. Mais si Allah voulait, comme ils sont aveugles moralement, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas, leur cœur ne voit pas, c'est leur cœur qui sont aveugles, et qu'ils n'entendent pas le Coran, bien qu'ils entendent, ils ont l'ouïe. Donc Allah les met en garde. Si Allah voulait, il leur enlèverait leur ouïe et leur vue. Ça, c'est une mise en garde contre les hypocrites pour au moins les freiner un peu dans leur mal. Dans le sens que ne croyez pas qu'Allah est insouciant du mal que vous faites. Si vous dépassez les limites, et si Allah veut, il vous châtie déjà dans ce monde avant l'au-delà. Et ceci pour les freiner un peu dans le mal qu'ils font aux croyants. Et pour les terroriser un petit peu pour qu'ils fassent moins de mal aux croyants. Qu'ils fassent moins d'obstruction sur le sentier d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc quand l'éclair est là, ils avancent un peu. C'est-à-dire quand ils sont obligés, quand ils doivent se montrer devant les croyants, ils font la salat. Hein? Mais quand il fait nuit, ils se lèvent, ils s'arrêtent, ils ne font plus rien. Et c'est ça le cas des hypocrites. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière la plus lourde pour les hypocrites, c'est le Fajr et l'Isha. Pourquoi? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de lumière dans la mosquée. Il n'y avait pas de lanterne.
Donc pour le Fajr et l'Isha, on ne voyait pas qui était à côté de nous. Eux, ils ont profité pour ne pas venir, pour rester chez eux. Hein? Car là, ils n'étaient pas visibles. Mais dans toutes les affaires où il faut bien se montrer, ils sont là. Ils sont là. Non. Et Allah les a mis en garde. Et Allah a dit, et Allah a la capacité et est capable sur toute chose. Et ici, kulli shay'in, c'est toute chose, petite ou grande. Et tout en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est une chose. Et ça, c'est une réponse à qui ? Al-Qadariya. Ceux qui disent que l'être humain, il crée ses actes. Et qu'Allah, il n'a pas de pouvoir sur les mauvais actes des gens. C'est ça qu'ils disent Al-Qadariya. Et le Mu'tazila, ils ont pris cette croyance. Donc Al-Qadariya, ils disent Allah, il n'a pas de pouvoir sur les actes les mauvais actes. Ce sont les gens qui créent leurs actes. C'est pour ça qu'ils sont nommés Majus Hadil Umma. Majus, les Zoroastriens de cette communauté. Pourquoi ? Car les Majus, ce sont ceux qui croient que cet univers, il a deux divinités. La lumière et l'obscurité, deux créateurs. Mais malgré cela, ils disent que la lumière, c'est-à-dire les Majus, ceux qui adorent le feu, ils disent que la lumière, elle est plus forte que l'obscurité. Mais les Qadariya, ils sont pires. Car ils n'ont pas dit que l'univers, il a un ou deux créateurs. Mais des millions de créateurs. Ils ont dit chaque personne, elle crée ses actes, ses mauvais actes. Donc ils ne disent pas qu'il n'y a qu'un créateur, c'est Allah. Ils disent tout homme, il crée ses mauvais actes. Allahu musta'an. C'est pour ça qu'ils ont été appelés Majus Hadil Umma, les Zoroastriens de cette communauté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont établi qu'il y a plus d'un créateur dans cet univers. Et ça, même les chrétiens et les juifs, même les Quraysh, ils ne disaient pas ça. Il n'y a que les Zoroastriens qui disaient ça. Non. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul rabbi zidni ilma.